Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de l'autorité bienveillante et nous allons aborder ensemble ma quatrième clé pour tenter d'avoir plus d'autorité sur vos enfants. Je suis Anaïs Vert, je suis psychopraticienne, coach parentale, formatrice. J'ai fondé l'Académie des coachs parentaux. Vous pouvez regarder sous la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus et devenir vous aussi un coach parental ou un accompagnant, en parentalité épanouie. Alors, donc dans cette série de vidéos, je rappelle, je partage des clés pour développer davantage d'autorité envers ses enfants, puisque c'est une problématique qui revient très très souvent dans les accompagnements que je fais chez les parents que je rencontre. Alors, clé numéro 4 pour avoir plus d'autorité, eh bien c'est la stabilité émotionnelle. Extrêmement important, là encore, ce n'est pas facile, personne ne vous demande d'être parfait, mais c'est une sorte d'objectif que je vous propose d'essayer d'atteindre, en tout cas de vous mettre en chemin. La stabilité émotionnelle, c'est le fait de savoir rester calme et d'arrêter de réagir à chaud. Rester calme et donc réagir à froid. Rester calme, ça signifie eh bien, arrêter de s'énerver, surtout pour des petites choses, surtout pour des petites contrariétés. Votre calme, c'est votre meilleur allié. À la rigueur, il vaut mieux, si on a peur de dire des choses qui dépassent notre pensée, si on a peur d'avoir une intervention qui ne soit pas adéquate avec notre enfant, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire, garder notre bouche fermée, attendre que notre émotion retombe, redescende. Et là, à ce moment-là, on peut tout à fait reprendre avec l'enfant et lui dire ce qu'on attend. Et notre parole sera beaucoup mieux entendue si c'est une parole calme que si nous crions, que si nous hurlons. Donc ça vaut pour les deux. Si vous voyez que votre enfant lui-même n'est pas calme parce qu'il est énervé, parce qu'il est fâché contre vous, ou parce qu'il est triste, parce qu'il est contrarié, eh bien ce n'est pas le bon moment pour lui faire passer un message. Ça peut être le moment d'accueillir son émotion, de l'écouter, ça certainement, mais ça n'est pas le bon moment pour faire un recadrage, pour justement montrer votre autorité, faire un recadrage, faire une demande, faire un refus, faire la morale, que sais-je encore. Toutes ces choses-là, les choses que vous avez besoin de dire à votre enfant, attendez que votre enfant soit au calme, que son émotion soit apaisée tout simplement, pour pouvoir lui parler. Là, il sera plus réceptif, il pourra entendre les mots que vous prononcez, il pourra les comprendre, il pourra en discuter avec vous. Donc c'est valable pour votre enfant et c'est valable donc aussi pour vous, très important. Et ça, je veux dire, les enfants sont nos maîtres, hein. Les enfants nous apprennent à développer justement notre calme intérieur et à poser des actes, poser des mots qui soient le plus possible en harmonie avec ce que nous pensons. Ça rejoint l'alignement dont j'ai parlé dans une autre vidéo précédemment. Voilà, donc ça c'est vraiment plus vous allez développer votre stabilité émotionnelle, garder votre calme. Ça n'empêche pas d'être contrarié, ça n'empêche pas de vivre des émotions, c'est juste que dans la façon de verbaliser ça, vous allez veiller à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée, à avoir les bons mots et à ne pas déverser tout votre émotionnel, votre énervement, vos cris sur votre enfant. Je sais que ce n'est pas facile, moi aussi ça m'arrive de crier, bien évidemment, comme je pense tous les parents du monde, ou presque, c'est pas grave en soi. D'accord? C'est pas grave en soi et mon but n'est pas du tout de vous faire culpabiliser. Mon but, c'est simplement de vous dire, si vous voulez travailler sur votre autorité, eh ben, essayez de développer votre stabilité émotionnelle. Essayez de différer vos réactions. Essayez d'intervenir à froid. Essayez de devenir plus calme vous-même. Il y a plein de techniques qui permettent de le faire, la sophrologie, la méditation, le yoga. Trouvez ce qui vous permet, vous, de vous apaiser et de devenir plus calme et vous verrez que vos enfants, ils vont mieux vous entendre, ils vont mieux coopérer. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'expérimenter cette clé. Et puis, ben je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt.